Dans quelques minutes, je vais téléphoner à ma partenaire pour le tandem linguistique pour la première fois. Elle s'appelle Valentine et je suis un peu nerveuse. Je ne sais pas les choses dont nous allons parler et je ne sais pas les questions que je veux lui demander, mais on verra. J'ai hâte de commencer et oui, vas-y! Nous avons utilisé WhatsApp et Facebook Messenger pour nous parler. Nous nous avons envoyé plein de textos, mais nous avons utilisé le vidéo chat aussi. Valentine est étudiante à l'Université de Franche-Comté. Elle est en sa troisième année où elle étudie la communication. Elle a un copain qui étudie aussi à l'université là à Besançon. Ils viennent de la côte ouest des États-Unis. Pendant la plupart de nos conversations, nous avons parlé de nos vies comme étudiantes, nos expériences à l'université et ce que nous aimons faire. Elle a partagé avec moi quelques photos de sa vie quotidienne. Bien sûr, nous avons discuté la politique et l'élection aux États-Unis. Je lui ai envoyé une vidéo expliquant les règles de l'élection, mais à cause de son spécialisation à l'université, toute l'information était déjà familière. Alors, nous pouvions avoir une conversation détaillée sur l'actualité. On sait que c'est une très grande différence culturelle pour expliquer, pour partager avec toi. Alors, c'est assez compliqué et complexe, mais vraiment aujourd'hui, parce que c'est le jour de l'élection, c'est un jour historique. Alors, je voulais juste expliquer. Évidemment, la pandémie et le confinement étaient deux sujets dont nous avons parlé. Elle m'a expliqué la carte de confinement pour des enfants. L'ironie de cette image montre qu'il y a une grande différence culturelle entre la France et les États-Unis et comment les pays adressent la pandémie et la santé des citoyens. Pendant la fête de Thanksgiving, j'ai bien essayé de cuisiner une tarte aux pommes selon une recette de sa famille qu'elle a partagée avec moi. C'est la fin des tandems linguistiques entre moi et Valentine. J'aimerais continuer notre amitié et j'espère qu'elle a profité de l'expérience autant que moi. Je me sens tellement liée à la France et au monde à cause de la langue française et c'est exactement pourquoi je l'adore. Au revoir!